Bible ici-bas. Illumine nos pas, du savoir Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le veux, simplement il faut croire obéir. Croire obéir, croire
à ses ordres soumis, sans aucun compromis. Alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les yeux, fait tomber. Beaucoup de coups de fil cette semaine, pour ne pas dire cette fin de semaine. Mais on va prier pour deux personnes qui sont vraiment malades. La sœur Aïbo, Yolande, et puis le frère Kone Gilbert. Kone Gilbert, je ne sais pas si vous avez parlé, venant de l'église, il avait fait un accident. Et il a eu le pied cassé. Il y a une fracture et on devrait, vous entendez? Non. Je disais qu'on va prier pour deux personnes, mais j'étais en train de parler. Il y a la sœur Yolande qui a été opérée et puis le frère Kone Gilbert qu'on appelle Kone Fontionro, c'est son nom, c'est nous fou. Et il venait de l'église et il avait pris un taxi, je crois. Et à un moment donné, le gars, le taximètre, a dit qu'il ne va pas dans la direction que le frère a demandé. Il a descendu Kone, et là, il a été fauché par un monsieur avec une moto. Et il est tombé, son pied, il a eu une fracture. Et bon, je crois que c'est la femme de Vincent qui est passée ici avec le frère Vincent qui m'en a parlé. Le lendemain, automatiquement, appelé le frère Kone pour lui demander la situation. Il m'a dit oui, effectivement, qu'il a fait un accident. Il a fait un accident, il a un pied cassé et il est à HMA pour un plâtrage de son pied. Alors, vous savez, quand on a connu une situation comme celle-là, on ne peut pas laisser quelqu'un d'autre en souffrir. Alors je lui ai dit, mais on va te plâtrer. Il a dit oui. J'ai dit, il ne faut pas te faire plâtrer. Il faut d'abord faire ton test de glycémie pour voir si tu n'es pas diabétique. Parce que sinon, tu risques de mourir d'embolie pulmonaire avec une septicémie. Que moi, j'ai ma belle-sœur qui est passée par là, ma femme est passée par là également. Et c'est là que Kone dit au médecin de faire d'abord son analyse de sang pour voir s'il n'est pas diabétique. On fait son analyse, il est à 3 grammes. 3 grammes. En fait, il ne sait rien du tout. Toute chose concourt bien ce qu'aime Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le pied cassé de Kone va permettre de savoir qu'il est sur la voie de la mort. À 3 grammes, sans rien savoir, tu bouges, tu ne sais rien, demain, ça monte à 3, 3, 5, 4,
je tombe dans un coma diabétique. Et au moment où tu te rends compte, tu es en train de mourir. Si on ne te relève pas tôt, tu perds la vie. Le médecin remarque qu'il n'est pas tombé sur des médecins récalcitrants ou qui sont les tout sachants. Pourquoi tu me demandes de faire ta glycémie? Je lui ai dit, il faut faire ta glycémie, il faut faire ça. Parce que ça entraîne à la mort si tu es diabétique. Surtout que ton pied est cassé. Surtout que le pied est cassé, il y a une plaie. Et ça, si on le plâtre, on ne pourra plus contrôler du tout la glycémie. Elle va monter systématiquement. La glycémie va monter systématiquement. La glycémie de votre maman était devenue incontrôlable. Tout le temps, ceux qui ont vu les résultats, la glycémie était incontrôlable. Ils ont mis sur insuline, ils ont fait tout, mais c'était incontrôlable. Donc, il a dit au médecin que on lui en a parlé, donc il ne veut pas qu'on le place. Qu'on le mette sur un chaud. Donc, actuellement en train de traiter sa glycémie, on l'a mis sous une chose et la souplaste, juste pour immobiliser les pieds. Et il fait son examen régulièrement. Je l'ai appelé, je crois, le jeudi. Il m'a dit qu'il a été fait un examen, il attend le résultat pour voir est-ce que ça a baissé ou ça n'a pas baissé. Là, il y a une plaie et ça, c'est très complexe. Dieu se fasse grâce. Parce que quand j'ai entendu sa voix, vraiment, ce n'est pas le connaît que je connais. Sa voix était très, très, très basse. Très basse. Donc, on va prier pour lui. Excusez-moi. Et puis, on va prier pour la sœur Yolande également. Et penser aussi à la femme de frère Bibou Georges. La sœur Valérie. La sœur Valérie également a fait une très forte poussée de tension une soirée, une nuit. On est resté à prier pour elle jusqu'à ce qu'elle était à 10, à 19, je crois à 19 de tension. Et jusqu'au matin, ils étaient à 4 heures du matin, ils étaient à 14. Et puis vers le matin, ils étaient passés un peu à 13. Et le médecin les a laissés rentrer à la maison, pensant que tout est fini. Et à peine ils sont rentrés à la maison, que le lendemain, ils devaient encore se retrouver à l'hôpital parce que les choses n'allaient pas. Bon, je ne l'ai pas appelé dans les deux jours-là, je ne l'ai pas appelé. Ça, c'est vrai. Ni la sœur Yolande. J'ai appelé une fois, je ne l'ai pas appelé aussi dans ces deux jours-là. On va prier pour ces bien-aimés qui passent par des moments très difficiles. Que Dieu leur fasse grâce et qu'il accorde la guérison. On va prier tous ensemble. Bien-aimé Père Céleste, sois loué, remercié, parce que tu sauves. Si tu n'étais pas en ligne, si on n'avait pas été informé par ta grâce, notre frère Kouni n'aurait jamais su que sa glycémie était avec grimpé. Et que beaucoup de choses auraient pu arriver. On donnerait cela à d'autres maladies. Cette maladie aujourd'hui qui coule les rues, parce que avec une embolie pulmonaire et une septémie, c'est les poumons qui sont atteints et on va lui attribuer une maladie qu'elle n'a pas. Mais ta grâce a pourvu une prière afin que tu le relèves complètement, que la glycémie soit maîtrisée, ramenée à la normale. Et que lui-même, il puisse avoir assez de cartilage pour faire souder les os. À l'âge où nous sommes parvenus. Fais-lui grâce et miséricorde. Nous prions aussi pour la sœur Valérie Bebo. Ô notre Dieu, il n'y a que toi seul qui guérit. Il n'y a que toi seul qui relève. Tu vois, la fois dernière, son mari n'a pas accepté que nous parlions ensemble parce qu'elle était très fatiguée. Oui, c'est vrai. Et quand même, je l'ai appelée. La voix était très faible. Seigneur, je te prie, va à son secours. À plusieurs reprises, Seigneur est passé près de la mort et tu l'as ramené à la vie. Et nous croyons que tu es le même Dieu qui n'a pas changé. Celui qui l'a ramené là autrefois à la vie, tu es le même qui peut encore le faire. Seigneur, écoute la voix de tes enfants et fais grâce. Et souviens-toi de notre soeur Yolande Aïbo,
Ô notre Dieu, que aussi aies-tu opéré, qu'elle soit rétablie. Au-delà de ce qu'on a fait, tu peux redonner, Seigneur, son être tout entier. Tu peux le faire pousser ce qui a été ôté. Oui, Seigneur. Et la relever, la guérir complètement. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Tu as fait pousser des bras, tu as créé des yeux dans des orbites vides. Même les nez qui ont disparu sont revenus. Des enfants, un enfant finlandais qui a été écrasé avec tous les autres dehors, a été reconstitué, réuni, vivant. Oh notre Dieu, tu es le même. Tu es le même. Et c'est le même message là que tu nous as donné, que nous suivons. Honneur, gloire et louange à toi. Relève nos bien-aimés et accorde-leur la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Jean-Marie, tu vas chanter encore un cantique pour nous. J'arrive une seconde. Apporte sur le calvaire des pesants fardeaux. Sauveur.
car que tu soutiendras. Dieu nous bénisse. Amen. Donc je disais que cette semaine-là, il y a eu, cette fin de semaine plutôt, il y a eu quelques coups de fil du frère bien intentionné, mais avec des visions différentes du problème de l'église d'Abidjan. Il y a un qui m'a appelé me demandant de retourner à l'église. Je dis, mais si c'est Dieu qui lui a parlé, ou si c'est lui qui le veut. Et puis de deux, est-ce que quand je partais à l'église, là, c'est quelqu'un qui m'avait demandé d'aller à l'église? Personne ne m'a montré la route de l'église pour que je parte à l'église. Je vais de moi-même. Donc si aujourd'hui je ne vais pas à l'église, je sais pourquoi je ne vais pas à l'église. Quand le Seigneur voudra que j'aille, je m'en irai. Mais je ne fais pas quoi que ce soit pour plaire à quelqu'un. Et puis, on a un bien-aimé frère qui a fait la Côte d'Ivoire, qui est au Burkina, qui a appelé. On a parlé ensemble. Il a dit, frère, lui, franchement, c'est plus ce qui se passe dans le message. Il ne comprend plus rien. Et il est très malheureux. La communion qu'il avait connue dans l'église d'Abidjan, là, il n'a jamais rencontré ça nulle part ailleurs. Il dit, frère, je peux dire la même chose parce que moi, j'ai le privilège de voyager. C'est vrai. Et il ne comprend plus ce qui se passe aujourd'hui. Il prie pour que moi, je retourne à l'église. Lui, il prie simplement que le temps arrive pour que je parte. Les gens racontent ce qu'ils veulent, les gens disent ce qu'ils veulent. Lui, il sait. Puis après avoir écouté tout, je n'ai commis aucune faute. Ça, c'est ce qu'il dit. Il ne voit pas pourquoi les gens se plaignent. Les gens racontent tout ce qu'ils veulent à l'international, sur les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est son commentaire à lui. Mais que Dieu se l'aide. Et puis après, j'ai parlé du frère Lambert, qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'il apprend maintenant qu'il y a deux cultes dans le même lieu? J'ai dit oui. Mais il ne comprend pas. Il dit, frère Lambert, moi, je te dis une chose, ça n'était qu'à moi. J'avais voulu proposer. Mais quand je vais aller proposer, on va dire que c'est Badi qui veut, comme il veut diriger l'église, il veut connaître l'église, il veut gouverner l'église, c'est là qu'il vient faire la proposition. Parce que moi, je ne suis pas prêt à lutter un lieu de culte avec des gens. La Bible dit, si on te demande de faire un mile, fais deux. Si on te demande ta tunique, donne ton manteau. Si on te gifle sur ta joue gauche, donne aussi la joue droite. Pourquoi on ne soit pas capable aujourd'hui, en étant chrétien, de pouvoir abandonner quelque chose à ceux qui luttent? Ceux qui viennent lutter là, c'est parce qu'ils ne sont pas des croyants. S'ils étaient des croyants, s'ils étaient des convertis, ils allaient chercher plus tôt. Parce que j'ai dit, frère, tu sais, à Lumbashi, il dit oui, il dit à Lumbashi. À Lumbashi, il y avait eu un problème de ce genre-là. Ça aussi, il y a un autre aussi. Je disais ton nom de ce genre-là. Mais il y a eu un problème dans l'église. Et puis, un moment, le frère s'est levé. Il a dit, bon, OK. Qu'est-ce que ceux qui pensent que moi, je suis un serviteur de Dieu? Qui lève la main. Je sors qu'ils me suivent. Ceux qui pensent que je suis pas un serviteur de Dieu, qui restent avec le frère. Et qui restent avec lui. Il n'est sorti pas plus de 10 ou 20 ou 30 personnes. Mais aujourd'hui, aller derrière son église, il y a plus de 10 000. 10 000. Demandez à 25, vous le dites. L'autre église est morte. L'autre église est morte. C'est pas morte. Parce que là où Dieu n'est pas là, on peut avoir beaucoup de membres, hein, mais c'est la mort. Il dit, mais
Il vient en parler, non, il dit, frère. Les frères disent qu'ils attendent qu'Isaac vienne pour qu'ils en parlent. Donc, attends qu'Isaac vienne, la réponse qu'il va donner là. Il ne faut pas aller provoquer les gens, va te dire que c'est toi qui viens instrumentaliser les gens pour faire ceci, pour faire cela. Quand tu leur dis là, où ils vont aller à l'église, où ils vont trouver quel Dieu pour aller. Et puis bon, il a dit, bon, il va voyer, non. Et puis il est laissé. Et puis après, c'est le frère Christophe. Le frère, c'est Christophe qui m'a appelé. Ce vieux frère là, on a parlé un peu ensemble, longuement. C'était moi un peu tendu, mais on a fini amicalement après. Il dit, frère, Badi, je ne comprends pas. Je vous demande de reconnaître, à vous tous Abidjan, que la livraison à Satan du groupe d'Amédée n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Je dis en bon. Je dis, mais moi, je n'ai livré personne à Satan. C'est Isaac qui a livré les gens à Satan. Donc, tu veux parler? Il dit, mais tu sais le conseil que tu as donné à Isaac? Il dit, oui, je sais le conseil que tu as donné à Isaac. Je le sais. Quand moi, j'ai parlé, j'ai dit que les anciens qui sont établis là, ce n'a pas été fait selon la Bible. Que nous tous, nous descendions et que Dieu établisse lui-même les anciens selon sa volonté. Mais ceux qui ont un ministère continuent d'exercer le ministère. Car Dieu Pierre prêchant les doctrines qui sont fausses ne doit plus prêcher dans l'église. Et c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Et moi, je suis descendu. Les gens continuent de rester là-bas pour faire ce qu'ils ont fait jusqu'à ce qu'on en arrive où on est arrivé. Et puis pourquoi alors, il les a livrés à Satan? Parce qu'ils créent un désordre. Il dit non, il dit mais je te pose une question. Il dit mais parce que le résultat attendu n'est pas, mais dis-moi, pour vous là, quand on livre quelqu'un à Satan, c'est pour qu'il meurt. Prenez-moi la Bible où il est écrit que quand on livre quelqu'un à Satan, c'est pour qu'il meurt. Il dit mais autant au point où nous sommes parvenus là, nous devons marcher même pas. Il dit mais c'est Paul qui l'a écrit, il dit oui. Mais Paul a livré, il mené et Alexandre à Satan. C'est le même Paul là qui a ordonné qu'on livre l'autre jeune là, qui est allé la femme de son père là, à Satan. Paul ne savait pas ça. C'est pas lui qui a écrit ça. Non, j'ai dit, non, mais frère, je pourrais te dire. Je pourrais te dire. Je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai dit, si vous le faites là, vous êtes obligé d'aller jusqu'à à vous repentir, à renoncer à ce que vous avez fait autant de bégis. Tu étais là le jour là. Toi, tu étais là aussi. J'étais votre porte-parole. Vous tous. Mais c'est moi qu'on a insulté pendant 2 ou 3 ans après. Pourtant, j'ai été votre porte-parole. Béni est mort aujourd'hui, non? Quand on a levé Béni à Satan, c'est moi que tout le monde a vu comme le coupable. C'est moi qu'on a rejeté par des liens. Bon, mais tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, je te le dis aujourd'hui. À l'ouest, là, au sud-ouest, partout, j'étais l'ennemi de tout le monde. Mais quand sa femme est morte et qu'il est venu à mourir, les gens disent, ah, c'est comme ça l'histoire de Dieu, là. Mais quand Dieu veut rentrer en action, là, c'est si facile que ça. Ah, c'est à ce moment-là que les gens se sont rendus compte. Je dis, mais moi, je vais vous dire une chose. Frère, à ce qu'ils sont, je te dis une chose. Je dis, j'ai pleuré, béni. De son vivant, je l'ai pleuré jusqu'à ce qu'il meure, j'ai connu de pleurer. Je pleure sa femme, je les pleure tous les jours. Parce que je les connais. J'ai marché avec eux. J'ai marché avec béni. J'ai mangé avec béni. J'ai dormi avec eux. J'ai voyagé. S'il y a quelqu'un avec qui j'ai le plus voyagé dans ce pays-là, c'est avec lui. Donc, vous n'aimez pas béni plus que moi. Mais j'ai porté le fardeau, j'ai porté toute l'ignominie de ce que vous avez décidé, vous. C'est vous qui avez décidé. Même ceux qui sont venus à l'intérieur du pays avec les effets de naissance des enfants qui ont parlé, qui sont venus pour nous livrer nous-mêmes à Satan aussi là. Plus tard, ils ont tous fait votre face. Quand Béni est décédé, ils ont tous parti à ses funérailles. Non, on vous connaît donc, frère. Si tu veux parler à Isaac, il faut parler avec Isaac. Mais si vous le faites, vous êtes obligé de le faire là-bas. Tu sais que on m'a traité de celui qui livre déjà Satan en Côte d'Ivoire. Au point, frère Franck a revenu me saluer en Allemagne. Il dit, c'est pas dit, mais je te le dis, tu peux appeler Jean Lambert, sa femme, ils vont te le confirmer. C'est l'image qu'on a donnée à Franck me concernant.
le méchant, le tueur dans l'église de Côte d'Ivoire, là, c'est Badi. Non, maintenant, si tu m'appelles, il faut parler avec Isaac. Il dit, oui, il a appelé Isaac avant de me parler. Mais Isaac, il a dit que comme il est malade, quand il va aller à l'église, il va voir quelle décision ils vont prendre. Ils n'ont qu'à prendre la décision qu'ils ont à prendre. Mais moi, tu ne peux pas me dire que c'est pas... Tu connais ta position. Ta position, je la connais. Quand le frère Franck est venu en 2009, qu'on a organisé la réunion des secteurs de Dieu, c'est moi qui ai dirigé. Ta position, je la connaissais déjà. Donc, ce que tu me dis maintenant, là, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend guère. Mes frères, ce que je veux que tu saches, c'est qu'on est arrivé au temps où l'écuménisme dans le message, là, moi, je ne suis pas dedans. L'écuménisme, là, dans le message, moi, je ne suis pas dedans. Si vous voulez, vous me laissez dehors. Vous faites ce que vous voulez. Et en même temps, j'appelle la mère. Ce que tu as dit avant, la leçon que tu as vue depuis longtemps, où je suis sorti du milieu de vous, là, avec ma Bible, là. Vous êtes en réunion, puis j'ai sauté toutes les flaques d'eau, là. Ça arrive d'arriver. Parce qu'on est en train de vous amener doucement, vers l'écuménisme, où c'est l'amour, ça, la parole de Dieu, là. Moi, je ne m'achète pas avec. Ça, je te le dis. L'amour, ça, la parole de Dieu, là. Moi, je ne m'achète pas avec ça. Si même on doit me rejeter pour ça, personne ne peut dire que je vais aller en enfer. Vous, là, aucun de vous ne peut pas dire que je vais en enfer. Ma femme n'est pas partie en enfer. Pourquoi moi, j'aille en enfer? Je lui ai dit, ma femme, là, n'est pas partie en enfer. Pourquoi moi, j'aille en enfer? Il faut que tu le saches. Et puis, l'enlèvement, j'ai vu l'enlèvement. Donc, frère Christophe, et je l'ai rappelé, il dit, frère Christophe, tu te souviens? Quand l'église était divisée, vous avez mené toutes les réunions pour ceux qui ne savent pas. J'ai fait un peu d'histoire. Souvent, on va nous appeler les historiens de l'église. Et tu te souviens, non? Quand tu es en train de faire la réunion, tu as dit, bon, la réconciliation, là, elle est faite. Ceux qui sont de Pougon, nos carrés sont de Pougon. Ceux qui sont à Ulam, nos carrés sont à Ulam. J'étais le seul à te dire, frère, quel est l'homme et la femme qui ait des problèmes? La femme va chez ses parents, dans sa famille. Et puis, quand on a fait de régler le problème, là, la femme continue de rester chez ses parents. Et puis l'homme reste celui-là à la maison. Dis-moi comment ça se fait. Je connaissais ta position en ce temps. Je te l'ai dit, je t'ai posé la question. Dis-moi, tu ne m'as pas répondu. Je ne lui ai pas dit ce que je lui avais dit en ce temps-là. Mais en ce temps, je lui ai dit, frère Christophe. Et puis il me dit, mais Badi, quel esprit tu as pour que tu sois le seul qui t'oppose toujours à tout le monde. Et le jour où le Seigneur va réunifier son église-là, tu ne seras pas présent. Pour que tu saches quel esprit j'ai. Le jour de la réconciliation, il n'était pas là. Quand on a traité, il n'était pas là. Il n'était pas le jour même où on a tenu la réunion, il n'était pas là. Dans tout ce qu'on a fait, il n'était pas là jusqu'à ce que ce soit fini. Mais si il avait compris, il aurait su que l'esprit qui m'a conduit en ce temps-là, il ne m'a pas quitté. Il est le même qui me conduit aujourd'hui. Mais prions. Prions parce que le temps qui arrive, là, risque d'être assez difficile pour nous tous, et que chacun de nous doit savoir avec qui il marche, et être sûr qu'il marche avec Dieu. C'est ça qui est important. Hein. Pour moi, les bien-aimés, soyez certains que vous marchez avec Dieu. Soyez certains. Parce que si vous n'êtes pas certain que vous marchez avec Dieu, on va vous amener dans n'importe quoi. C'est le temps où on vous amènera dans n'importe quoi. Sous prétexte de l'amour, sous prétexte que Frère Franck a dit, sous Frère Branham a dit, moi, mon absolu, je le dis toujours, c'est la Bible. Les deux, là, je ramène tout ce qu'ils ont dit par rapport aux Écritures. Si je ne comprends pas, je mets de côté. Dieu ne me condamnera pas parce que je n'ai pas compris. Dieu ne me condamnera pas parce que je n'ai pas compris. Mais si j'ai compris que je fais le contraire, là, je dois répondre. Ce que tu as compris, et puis tu fais le contraire, là, là, tu dois répondre. Et ça, je vous invite, vous-même, à plier vos genoux afin que Dieu aide chacun de vous. Et j'ai dit à Frère Christophe, je lui ai dit, Frère Christophe, vous les anciens là, vous n'avez pas fait votre travail, c'est pour ça que l'Église souffre aujourd'hui. Si vous aviez fait votre travail là, on partait quand même ensemble, mais si vous avez fait votre travail comme il se devait là, il ne devait pas avoir des problèmes aujourd'hui dans l'Église. Parce que l'Église n'a pas le Saint-Esprit. Pendant 48 ans, un homme de 48 ans, si à ce âge-là, il n'est pas sage, il n'est pas responsable, c'est un monstre.
J'ai dit, Christophe, le message a 48 ans en Côte d'Ivoire. Et on est encore au bébé. On est encore comme des enfants. Il n'y a personne qui a une colonne vertébrale pour se lever, pour prendre une décision qui soit biblique, pour aider les autres à marcher. Mais on va où? On est là toujours en train de tâtonner, en train de tâtonner. Si Christophe, on a, c'est vous qui êtes nos aînés. Et vous ne pouvez pas prendre une décision. Ou vous ne savez pas prendre une décision par rapport à la Bible. On ne pense pas qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne donne rien. Ça ne rapporte rien. Dieu a dit que c'est comme ça. Voilà. C'était les Écritures là. J'ai dit, ouais, c'est les Écritures. Hein. Mais c'est la lettre tue. L'Esprit n'est pas dedans. C'est pour ça qu'on a envie de mourir. On n'a pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que le message là, on l'a comme la lettre. Et on meurt. Je lui ai dit hier. Je lui ai dit hier. Et puis après, bon, il a dit, mon frère, bon, écoute, ce qu'on souhaite, c'est que Dieu nous aide, nous tous, à marcher avec lui, à nous laisser préparer pour que un temps qui arrive, nous soyons tous ensemble pour nous laisser, pour nous préparer pour l'enlèvement. Il dit, oui, c'est ce qu'on nous sort. On cherche un frère. Personne ne cherche à aller en enfer, personne ne cherche à aller dans le mouvement économique. Tout le monde cherche à passer à l'enlèvement. C'est pour ça que Dieu a voulu que le message arrive. Mais que Dieu te bénisse. Il m'a dit que Dieu me bénisse. Et puis on a arrêté. Mais c'est pour la première fois. Il dit lui-même, on lui a dit qu'il est perdu. J'ai dit, mais j'ai appris aussi. Hein. Pour toi, si j'ai appris. C'est pas, je ne sais pas, j'ai pas appris. Mais je t'ai jamais appelé. Là, si j'ai appelé une fois pour te dire que j'ai appris que tu es perdu. Je t'ai jamais appris. Moi, si j'ai appris. J'ai appris que tu es perdu, que tu suis tes enfants avec le tonnerre et tout. Je sais. Et puis après, bon, comme il est aussi veuf, et comme moi je suis veuf, il dit, il comprend les douleurs parce qu'il est passé par là. Et c'est difficile, mais de prendre courage. Il dit, c'est Dieu ce qui donne le courage. Si Dieu n'a pas donné le courage là, tu ne peux pas avoir le courage là. Tu vas bouffer. Il y a des événements qui arrivent, il y a des situations qui arrivent, il y a des choses que tu vois qui font que tu es obligé de te rappeler à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Mais c'est Dieu qui fortifie. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est vrai, ce n'est pas facile au jour de marcher dans ce message-là, de par le monde entier. Ça, je le dis, je le crois. Quoique Frère François soit encore vivant, et je préfère qu'il soit encore vivant jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. Quel que soit ce qui arrive. Mais ce qui est important, et nous en avons parlé encore ce matin, et peut-être après les grands événements de ce pays-là, je crois qu'on va faire une chose. Pour ceux qui croient, on va faire une chose. On va organiser deux rencontres de vendredi, les nuits, pour passer le temps à prier. Uniquement à prier. À prier pour que Dieu se souvienne de chacun de nous et que ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit là, ils le reçoivent. Parce que ça, c'est plus le temps où on va passer le temps à bavarder, à crier, à accuser telle personne, à accuser telle personne. Ça ne nous servira à rien du tout. Priez pour que Dieu nous dise à moi, à toi, à chacun, où se trouve son point faible. Et qu'on lui dise pardon, et qu'il nous donne son esprit. Parce que si nous avons son esprit, et que nous avons sa parole, nous avons les deux éléments là. Nous avons l'assurance que quand il va venir, mort ou vif, nous serons enlevés. Mort ou vif. Pourquoi on a vu le message? On a vu le message pour être enlevé. Hein? Sinon, on restait dans la religion. Parce qu'il se passe aujourd'hui là. Même si les gens sont dans le faux, dans tout, chez eux, là, il y a de l'ordre. Au milieu de nous, il n'y a pas d'ordre. Chez eux, là, il y a du respect. Au milieu de nous, il n'y a pas de respect. Même un enfant qui n'a même pas, excusez-moi le thème, qui ne sait pas se torcher, peut parler à une grande personne, comme c'est son ami. Parce qu'on a été mal éduqué, mal instruit, mal enseigné, ou parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de diplômes. Et dès qu'on a un certain niveau, et ça devient un problème. Comme la sœur
Là, je pense qu'il va avoir des problèmes dans ces derniers temps à l'église, certainement. La sœur Thérèse. Sœur Thérèse, m'excuse si c'est ton nom. Hein. Si c'est ton nom, parce que tu vas écouter après. Tu me pardonneras. La sœur Thérèse attend voir frère Isaac pour dire ce que Mathias lui a dit. Je vous le dis parce qu'il a dit, elle va le faire. Mathias lui a dit, pourquoi sa fille qui a un master peut être mariée à quelqu'un qui n'a qu'un CEP? Qui n'a rien pâti le regard. Il n'a rien pâti le regard. Parce qu'il lui avait proposé déjà auparavant un homme pour marier sa fille, elle avait refusé. Il menait donc sa fille à quelqu'un qui n'a rien pour attirer le regard et qui n'a qu'un CEP. Si dans votre église, là, vous êtes arrivé à la classification du rang social, vraiment, c'est que le monde est rentré au milieu de vous. Si c'est pour ça que vous cherchez des maris pour donner aux gens, vous cherchez des femmes pour donner à des hommes, vraiment, c'est que même la religion est mieux que vous, est mieux que nous. C'est terrible. On sait qu'il y a des sœurs qui ont dit qu'elles ne peuvent pas se marier à des gens. Il y a des sœurs, on sait. Je sais. Ça, je n'ai pas honte de le dire. La sœur Jocelyne Koubouk s'est mariée. Elle a dit qu'elle ne peut pas se marier à quelqu'un qui soit d'un niveau inférieur à elle. Mais si tu le veux, Dieu te donnera ce que tu veux. Moi, je cherche quelqu'un qui veut aller au ciel. Amen. Quelqu'un qui veut aller au ciel. Même si c'est un planteur, s'il est converti, c'est un fils de Dieu, quel que soit ton diplôme là, que Dieu te le donne. L'essentiel, c'est que ce soit Dieu qui te le donne. Amen. C'est ce qui est important. Si Dieu te donne, ou sœur, Dieu te donne un homme, frère, Dieu te donne une femme, quel que soit ce qu'il est, Dieu va vous aider à aller au ciel. Amen. Aïe. Non, ça, moi ça me fait mal au cœur de voir qu'on tient tel langage au milieu de nous. En fait, je suis pas du milieu. Ce n'est pas mon milieu. Non, je dis, ce n'est pas mon milieu. Dans mon milieu, ce langage ne se tient pas. Dans le milieu que je connais, qui est de Dieu là, un tel langage ne se tient pas. Ça ne se tient pas. C'est au milieu des païens qu'on peut tenir tel langage. Au milieu des hommes qui n'ont pas connu Dieu, qu'on peut tenir tel langage. Choisis en fonction de la classification de la poche. J'en parlais avant, non? Avant, j'en parlais. Vous pensez que c'est faux. Oui, ça devient une réalité. Hein? Aujourd'hui, ça devient une réalité. Je dis, vous êtes là, vous regardez les poches. Où est le nez? Où est la beauté? Vous regardez les parents. Aujourd'hui, on arrive, on regarde, il est quoi? Il est docteur. Ah, moi, je suis doctoresse aussi. Donc, on peut se marier. Parce qu'on peut parler le même langage. Comment moi, je vais avoir 800, 700, 1 million, 2 millions de salaires, alors que lui, il n'a rien. Et puis, on va se marier. Et puis, on va brûler mon argent. Mais ça, on fait un mariage bien séparé. Pas comme c'est des biens. Ah non, non, non. C'est bien séparé. C'est quelle vie chrétienne ça? La Bible dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attaches à ta femme, vous devenez une seule chair. Vous devenez un. Mais quand vous êtes devenu un là, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a tenu compte de ce que vous êtes? Au ciel, là, Dieu savait qui vous êtes. Si vous venez vous-même choisir ici-bas, parce que Dieu a préparé, mais ce que vous venez choisir ici-bas, là, choisissez. Tu as pris ton serpent, il va te piquer. Tu as pris ton scorpion, il va te piquer. C'est plus tard qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont fait le mauvais choix. C'est plus tard. Mais que Dieu aide. Amen. Que Dieu vraiment vienne au secours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, on a tellement parlé. Je regarde, il faut prier pour la parole. Tu as prié, on va lire quelques passages.
On va pas terminer, on va lire quelques passages seulement ce matin. Puis on va terminer. Si on peut se déplacer dimanche prochain, on va terminer dimanche prochain. Seigneur notre Dieu, parle-nous un peu. Amen. Tu as déjà commencé par nous parler par la bouche de ton Seigneur. Mm-hmm. Continue ce que tu as commencé. Amen. Dispose nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, c'est vrai. Souvent, je me pose la question si on a lu mariage et divorce, si on a même lu le choix d'une épouse de Frère Branham. Je viens à mon thème, mais je vais quand même insister parce que, comme quelqu'un a dit, c'est pas pour nous que sommes là seulement. Quand ça va, ça tombe dans la main de plusieurs personnes qui écoutent et qui cherchent à suivre. Le premier mariage dont Frère Branham a parlé, c'est de deux jeunes gens. L'autre a reçu le certificat, l'autre de son père pour se marier. Et le jeune homme est venu avec une voiture au phare à pistolet. Et quand il est rentré dans le petit lieu où Frère Branham dort avec son frère, la question qu'il lui a posée, est-ce que tu l'aimes? Il dit oui. Est-ce que sans elle, tu peux vivre? Il dit non. Il a dit à la jeune fille, est-ce que tu l'avais dit oui? Et si demain, il n'a pas de boulot, est-ce que tu vas retourner chez ton père et chez ta mère? Il dit non. Il dit, et toi? Il dit, je lutterai, je ferai tout ce qu'il faut pour joindre les deux bouts. Je ferai tout ce qu'il faut pour joindre les deux bouts. Ce qui veut dire que ni l'homme ni la femme n'ont regardé à leur situation sociale. Ce qui était important, c'est le fait qu'ils s'aiment. Parce que quand on s'aime, on peut surmonter toutes les épreuves. Amen. Quand on s'aime, là, le mariage, ce n'est pas le jour de la célébration. Le mariage, ce n'est pas le jour où on s'est fait le vœu. Le mariage, c'est quand on va commencer à vivre ensemble. C'est ça le mariage. C'est à ce moment-là qu'on va voir si vraiment l'amour dont on a parlé là est réel et vrai. C'est quand les épreuves vont se présenter là qu'on se rend compte si on s'aime ou on ne s'aime pas. Vous avez le second mariage dont le frère Branham a parlé, c'est deux hommes, une femme et un garçon dont les pères sont multimilliardaires. Ils n'ont pas besoin de travailler pour vivre. Les deux là n'ont pas besoin. Le père de la fille est riche. Le père de l'homme est riche. On leur change leur voiture chaque année. Mais il a fait une expérience grave. C'est pour ça qu'il en a parlé. Il a fait une expérience vraiment. Il dit la même cérémonie. C'est lui qui a marié les deux couples. Il a marié le premier, il a marié le second. La même cérémonie avec laquelle les deux richissistes se sont mariés, c'est par la même cérémonie que les deux, ayant des conditions les plus élémentaires, ont été mariés. Mais il a dit, William Branham, si tu devais choisir un foyer, lequel tu choisirais? Il dit, je choisirais ce foyer, ces deux-là. Parce que le gars, le jeune homme, joint difficilement les deux bouts. Mais il aime sa femme. Quand il arrive avec son soeur, vous connaissez, ma soeur connaît bien les Américains, c'est tous les 15 jours qu'on les paye. Quand on lui donne sa paye, il vient à la maison, il dépose sa table. Ils ont construit leur maison dans de briques et de braques. Chez nous, aujourd'hui aussi, on appelle comment? On appelle ça sicobois. C'était en Côte d'Ivoire, on a dit sicobois. Dans leur sicobois là, il vient, la table là, c'est des planches dont on peut faire le tas. On avait coupé, cloué. Ils ont coupé, cloué, et c'est ce qui est leur table. Et il arrive, il s'assit, il s'assoit, il prend sa femme sur sa jambe, assis là, et puis il dépose tout son revenu pour dire, voilà, ça c'est pour l'épicerie, ça c'est pour l'électricité, ça c'est pour l'eau, ça c'est pour ceci, ça c'est pour cela. Et malgré tout avec ça, il a vu une robe dans un magasin.
Et il veut que cette femme-là porte la robe. Et la femme lui dit, mais j'ai une robe, ça me suffit. Cette robe-là me suffit. Ce n'est pas la peine. Je n'en ai plus, je n'ai pas besoin d'autre. Mais lui, il insiste que cette femme-là ait cette robe. Parce qu'il l'aime tellement. Et il a dit, peut-être j'étais hypocrite. Je savais, je voulais savoir où ils sont. Je me suis glissé jusqu'à arriver chez eux. Et ce jour-là, Dieu a fait qu'il a écouté tout ce qu'ils ont dit. Il voit le jeune homme avec sa femme sur son pied et son agent, tout son petit revenu là. Ce n'est pas combien de dollars. Peut-être c'est 8 dollars par heure qu'il reçoit ou 10 dollars par heure qu'il reçoit ou bien 5 dollars par heure qu'il reçoit. En ce temps-là, où la vie était très chère, où l'économie ne marchait pas bien, il dépose ça sur la table. Rien n'est caché à sa femme. Rien n'est caché à sa femme. Rien. Mais comment on dit qu'on est marié et puis on va cacher une partie de ce qu'on est à sa femme? Nos femmes ne connaissent même pas nos revenus. Et surtout nous les Africains. Surtout nous les Africains. Parce que l'argent est signe du rang social, il faut cacher. Et si tu le montres à ta femme, tes parents vont dire que ta femme t'a fait Yangoumi. Vous qui allez recevoir ça, là, ça c'est ivoirien. C'est-à-dire qu'on t'a ensorcelé. Ta femme t'a ensorcelé au point où tu lui fais voir même ton salaire. On ne fait pas voir son salaire à sa femme. En Afrique, c'est ça. Dans la tradition, c'est ça. On ne doit pas faire voir son salaire. Mais elle et moi, nous sommes devenus un. C'est que le juge a dit, moi, mes comptes là, ma femme a son chéquier. Elle dit, mais hé, madame, il y a un frère qui m'a dit, mais il faut me donner un chéquier. Il dit, mais c'est ma femme. Pourquoi je lui cacher ce que j'ai? Elle a droit à avoir un droit de regard là-dedans. Et puis, j'ai caché quoi? Je n'ai pas une femme dehors pour dire que quelqu'un va voir un agent parti dehors. Non, je n'ai pas une autre, je n'ai pas une copine dehors. C'est un seul qui est la mienne. Et je lui suis, tiens. Alors, qu'est-ce que je vais cacher? Non, elle a son chéquier. Mais je la connais. Elle peut rester à mourir de faim, alors que l'agent a sa main. Si elle n'a pas appelé pour demander. Dis, mais toi, tu as l'agent avec toi. Et puis chaque fois, tu as besoin de m'appeler pour me demander s'il faut l'utiliser. Pourquoi je t'ai demandé? Je n'ai pas dit monsieur et madame, j'ai dit monsieur ou madame. Que je sois là ou que je ne sois pas là, tu es libre d'aller faire ce que tu veux. Parce que tu ne mettras pas notre maison en péril. De même que moi, je ne mettrai pas notre maison en péril. Et frère Bernard est arrivé là, voyant ce jeune homme-là avec cette femme, sa petite femme dans ses bras, faisant tout pour jouer les deux bouts. Le peu qu'il peut avoir là, il partage ça sans problème. Et vous qui êtes là, si vous ne faites pas la même chose là, recommencez à zéro. Hein. Si ce n'est pas la même chose là, recommencez à zéro. Ton commerce là, si ce n'est pas la même chose, recommencez à zéro. Recommencez à zéro. Petit bêtis là, si ce n'est pas la même chose, recommencez à zéro. Recommencez tous à zéro. Toi, Baoulé là. Toi, Richard, toi, il dit ton nom. Si ce n'est pas la même chose là, Blanche, si ce n'est pas la même chose là, vous devez recommencer à zéro. C'est que vous n'êtes pas encore marié. C'est que vous n'êtes pas encore marié. Hein. Et Yaka? Pour moi, c'est déjà fait. Ah. Ça va être écouté aussi. Pour moi également, c'est déjà fait. Ah, ceux qui ne peuvent pas parler, c'est que ce n'est pas encore fait. Ceux qui ne peuvent pas parler, c'est que ce n'est pas encore fait. Et vous devez le faire dès demain. Dès demain. Dès demain, là, vous devez mettre de l'ordre dans ça. Voilà. Ah, je parle. Ah, d'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais on n'a rien à cacher. Frère, on va laisser ça ici, on va partir. C'est quand... On va partir, vous allez raconter une histoire, je ne dis pas le nom de la personne. Il y a un monsieur, il a caché tous ses biens à sa femme. Et puis il a dit, si telle personne vient au pouvoir là, lui, il ne peut pas trahir la personne. Et puis la personne est venue au pouvoir.
Le médecin vient au pouvoir, la personne l'appelle. Ce jour-là, il dit, bon, ça, c'est sa mort. Le médecin appelle sa femme. J'ai telle maison à tel lieu. J'ai telle maison à tel lieu. J'ai tel numéro de compte à telle banque. J'ai tel numéro de compte à telle banque. Si je ne suis pas là, il faut pas élever les enfants. Donc maintenant, elle dévoile tout, il dévoile tous ses biens à sa femme. C'est maintenant là qu'il dévoile tous ses biens à sa femme parce qu'il pense que pour lui, c'est sa fin. Il va et revient, on le nomme. C'est ça. Il a nommé. Donc, sa femme dit, ah bon, non, t'avais tout ça là, et puis il ne savait pas. Oui, elle avait, il avait tout ça, mais sa femme ne savait pas. Et pourtant, quand on va à la mairie là, monsieur, vous devez vous prendre pour épouse, mademoiselle, tant ici présente. Oui. Souvent même, on fait un peu de grimace. On tourne le dos pour regarder l'assistance, on regarde la femme, on regarde le maire, avant de répondre. Madame, mademoiselle Tan, voulez-vous prendre pour époux monsieur Tan ici présent? Oui! Et le maire, pourtant, qu'est-ce qu'il a dit à la maison là? Hey, mon salaire, c'est mon salaire. Hein. Mon petit salaire là, faut pas regarder. Hein. Faut pas toucher à mon téléphone. Faut pas toucher à mon téléphone. Hein. Parce que tu touches à mon téléphone, tu vas savoir ce qui se passe dans mon téléphone. Faut pas toucher à mon téléphone. Hein. J'ai travaillé avec des jeunes gens. Tous les SMS, qu'ils ont fini, ils effacent tout. Un jour, une a demandé à son mari, mais toi-même, tu ne reçois pas un SMS. Un SMS, tu ne reçois pas. Il n'y a pas un choix, appuie ton téléphone, puis il y a un SMS dessus. Tu veux dire que tu ne reçois pas d'SMS? Mais il efface tout. De peur qu'elle ne tombe sur un SMS compromettant. Frère, ce que. Je vois ma fille en train de rire, elle est sur ses larmes. Que Dieu nous bénisse. Ouais, c'est pas le lieu de faire rire, c'est vrai. C'est assez solennel. Mais vous voyez bien comment le Seigneur nous aime. Il nous aime au point où il ne nous cache rien. Il nous fait des dons. Il nous fait des cadeaux. Il se révèle à nous. Il ne nous cache rien du tout. Et cependant, nous cachons tout à ceux à qui nous déclarons notre amour. Nous cachons. Et vous qui allez écouter demain là, j'en ai déjà parlé. Je sais, il y en a qui n'ont pas corrigé. Parce qu'ils sont traditionnalistes. Ils sont restés dans leur tradition. Mais tu n'iras pas aussi là ta tradition. C'est un signe de manque d'amour. Et surtout de confiance. Parce que l'amour, là, amène la confiance. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux qu'avoir confiance en cette personne-là. Mais tu aimes la personne, puis tu n'as pas confiance en elle. Comment tu peux dire que tu aimes? Si tu aimes la personne, tu ne peux qu'avoir confiance en elle. Mais tu dis, j'aime la personne, mais je n'ai pas confiance en elle. C'est un manque de confiance, c'est un manque d'amour. C'est le signe même qu'on ne s'aime pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va lire trois passages qui vont servir de fond pour ce dont nous allons parler dans ces deux dimanches-là, si Dieu le permet. On va prendre Jacques chapitre 1, verset 22-25. Vous savez, il n'y a pas de passage de Dieu que vous ne connaissez pas. Seulement un jour, quelqu'un m'a dit, toi là, où est-ce que tu dors? Le jour, on a été à une veillée d'une sœur qui est décédée. Ce jour-là, j'ai refusé de parler. On m'a forcé les mains pour que je parle. Et j'ai parlé de 4h du matin à 6h du matin. J'ai pris un sujet, un texte simple que j'ai lu. Et quand elle est montée dans la voiture pour qu'on ait notre chemin, il m'a dit, mais toi, où tu dors même? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, frère? Pourquoi tu me poses la question où je dors? Il dit, mais les passages qu'on lit, nous, tous les jours, là, quand toi, tu prends le passage, là, tu finis, ça devient comme un passage qu'on n'a jamais lu dans la Bible. Il dit, mais c'est pas moi. Ça ne dépend pas de moi. Comme le jour où je devais parler de 10 drachmes de la jeune dame, là, il y a un frère qui a dit, mais où il est parti? Où il s'en va encore ce matin, là? Où il s'en va? Où il nous amène ce matin encore? Et après, quand on a fini, il a dit, vraiment,
Il avait eu peur auparavant, mais si tu as peur, c'est que tu n'es pas là pour servir Dieu. Quand on est majeur, Dieu n'a pas peur. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques, épître de Jacques. Jacques, c'est l'un des frères de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. On va lire également dans Actes 3. Actes chapitre 3. On va le verset 22 seulement. Actes 3, 22. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Je vais ajouter le verset 23 en même temps. « Et quiconque ne l'écoutera pas, ce prophète-là sera exterminé du milieu du peuple. » Amen. Le dernier passage, c'est Matthieu 17, 1 à 5. Je sais que vous vous imaginez de quoi il va être question. Matthieu 17, vous connaissez bien ce passage-là de la parole qui a été prononcée sur le mont de la Transfiguration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Matthieu 17, je lis à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Église et pour Élie. » J'ai failli dire Église. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Amen. Amen. Seigneur, daigne ajouter tes bénédictions à la lecture de ta parole que nous venons de faire. Amen. Amen. J'ai intitulé cela « Mettez la parole en pratique ou écoutez-le. » Mettez la parole en pratique ou écoutez-le. Jacques a été très, très explicite. Et j'aimerais qu'on retourne à Jacques avant de revenir. On retourne à Jacques avant de revenir. Et puis, une fois qu'on a fini avec ça, on va ici se poser quelques questions pour aujourd'hui, peut-être à laquelle on va vouloir apporter des réponses les jours suivants, si Dieu le permet. Mettez en pratique la parole. La parole, c'est quelqu'un. Au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est pas vrai? Et la parole a été faite chair.
Elle a vécu parmi nous. Donc, la parole, nous savons qui il est. Mais la parole, comme on peut le dire dans le mot grec, Kada veut dire, c'est un commandement. La parole de Dieu là, Kaba, la parole de Dieu là, c'est un commandement, c'est un ordre que Dieu donne. Dieu ne discute pas avec nous sa parole. Il nous donne un ordre à exécuter. Si on ne veut pas exécuter l'ordre, alors qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on s'écarte nous-mêmes de lui. Parce que dans une maison, quand le père donne des instructions, il veut voir ses instructions être exécutées. N'est-ce pas? Vous les mères, quand vous donnez des instructions aux enfants, vous attendez à ce que les enfants exécutent ces instructions-là. Il en est de même avec notre Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Et si nous sommes les fils de Dieu, notre Père se laisse s'attendre à ce que nous exécutions ses ordres, ses commandements et ses prescriptions. C'est pour ça que ici Jacques dit, mettez-la en pratique. Ce que vous avez reçu là, exécutez-la, vivez selon elle. Faites-la comme Dieu vous le dit, non pas comme l'homme le dit, non pas comme l'homme le veut. Comme tout à l'heure je parlais, beaucoup aujourd'hui aiment parler. Une fois, en 2006, quand nous avons parlé, un frère vient me voir. Et puis il parle. Il dit, frère, moi j'ai juste une question à te poser. C'est Dieu qui t'a parlé ou c'est toi qui vient me parler? Il me réalise, si c'est Dieu qui t'a parlé, je t'écoute. Si ce n'est pas Dieu, pardon, excuse-moi, il faut partir de là. Parce que moi je vais écouter Dieu parler. Ce que j'ai fait là, je l'ai fait après que Dieu m'ait dit ce que je dois faire. Si tu viens, si tu ne me dis pas c'est Dieu qui t'a parlé, alors tu laisses. Ce que moi j'ai dit là, Dieu va le faire parce que j'ai dit c'est Dieu qui va le faire. Si maintenant Dieu ne le fait pas, vous me prenez pour un menteur. Si Dieu ne le fait pas, alors vous verrez, je suis un menteur. Mais je vous ai dit que j'ai parlé déjà une fois. Quand j'ai parlé pour la troisième fois, aucun de vous ne sera assis derrière là comme ancien. Cela vous comprendrez. Si ça ne s'accomplit pas, je suis un menteur. Mais quand j'ai parlé pour la troisième fois, ce n'est pas l'église même qui a mis tout le monde dehors. Moi, j'étais déjà assis en bas. Pour montrer que quand Dieu dit une chose là, Dieu lui-même s'occupe de ça. Ce n'est pas un homme qui s'en occupe. Et c'est pour ça que Jacques nous dit, ce que nous avons entendu de Dieu là, mettons cela en pratique. Ne nous bornons pas à l'écouter seulement. Parce qu'il y en a qui aiment bien écouter, et puis quand ils sortent, ils font ce qu'ils veulent. Alors quand ils sortent, oh, la parole était comme on était là vendredi, on priait. Jean-Marie disait, oui, bon, ben, on va dire, mais c'était lourd aujourd'hui, hein. Ah, mais c'est lourd, c'est du lourd. Et je regarde Thierry quoi qui dit, ah, papa, vraiment, c'était fort, hein. C'est pas de ça qu'on a besoin aujourd'hui. C'est lourd, c'est fort, c'est dur. C'est pas de ça qu'on a besoin. Est-ce que on est prêt à faire ce que Dieu nous dit? Amen. Est-ce qu'on est prêt à marcher comme Dieu nous l'a dit? Parce que ce que Dieu dit, il le fait lui-même. Hein. Quand il dit qu'il va faire une chose, il le fait. Je vais donner un exemple. Avant qu'on aille plus loin, je devais en parler, mais je vais donner avant de revenir là-dessus. Dieu a dit, je vais envoyer Élie le prophète avant que les jours redoutables n'arrivent et que je vienne frapper le pays d'interdit. Il n'a pas dit ça? Il n'a pas fait. Il a dit, j'envoie Élie avec un message pour préciser parce qu'on est venu. Il n'a-t-il pas envoyé le message? Quand Dieu dit ce qu'il va faire, il a dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, je te visiterai, et ta femme, Sarah, t'enfantera un fils. Ça n'a pas eu lieu. Quand Dieu dit une chose qu'il va faire, il le fait. Donc quand Dieu nous dit que ça, là, nous devons le faire, nous aussi, nous devons le faire. C'est pour ça que l'apôtre Jacques nous dit, il dit, ne vous bornez pas à écouter. C'est-à-dire, ne vous contentez pas seulement d'écouter. Ne prenez pas seulement plaisir à entendre la parole de Dieu. Amen. C'est pas pour ça que Dieu parle. Regardez bien quand dans le livre Néhémie, il dit, tu as fait beaucoup de bien, tu as donné tes lois. Mais après tout, ils ont jeté ça derrière leur dos. Ils se sont rebellés contre toi. Ils ont réduit le coup. Et aujourd'hui,
Dans la religion, c'est ce que les gens font. Autant, quand je suis sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Les pharisiens étaient là. Les sadducéens étaient là. Les hérodiens, les scribes, les docteurs de la loi. Mais le Seigneur a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis la loi de Dieu de côté. Vous avez prescrit des ordonnances humaines. Vous avez prescrit des traditions aux hommes. Vous avez établi des loups fardeaux que vous avez mis sur la tête, mais vous-même, votre doigt ne touche pas. C'est ce que fait la religion. La religion ne fait que prescrire des choses qu'elle-même ne peut pas appliquer. Mais dans la maison de Dieu, Dieu ne nous prescrit rien qui ne soit pas capable. Parce que ce n'est pas nous qui faisons ça. C'est peut-être l'apôtre Paul qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu a dit de faire là, je n'ai pas de force de faire. Moi, je n'ai pas la force pour le faire. Mais lui, il a la capacité de le faire. C'est pour ça que, premièrement, on se précipite un peu. Non, allons doucement, doucement. Allons doucement. Donc, comme lui-même l'a promis, il a promis que ce qu'il a dit là, il va le faire. Prenez Ésaïe, Ézéchiel 36. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que je... Il n'a pas dit, je vous demanderai de faire des efforts pour... Il n'a pas dit ça. Il dit, moi-même, je prends l'engagement de faire. Mais avant, il faut que je cherche vos cœurs. C'est ça le problème qu'on a. Le problème qu'on a là dans le message et dans la foi chrétienne, frères, nous sommes des sympathisants. Nous ne sommes pas encore des croyants. Parce que le croyant, la première des choses que Dieu fait, c'est le changement de son cœur. Il y a un changement. Il y a un changement complètement de cœur. Il y a un changement d'esprit. Malheureusement, et comme le Seigneur, l'apôtre Paul l'a dit, on ne connaît plus personne selon la chair. Connaissons les gens, les hommes, selon l'esprit. Avant, quand un jour, il a dit, moi, je ne connais pas Mathias. Tout le monde était surpris qu'il dit que je ne connais pas Mathias. Je dis, non, je ne connais pas Mathias. Je ne connais pas Isaac. Mathias ne me connaît pas. Isaac ne me connaît pas. Tout le monde me regardait. Je dis, mais oui, je vous dis, on ne le connaît pas. Je ne peux le connaître que par l'esprit qui l'anime. C'est la façon dont il va se conduire, la façon dont il va parler, la manière d'agir qui me permettra de savoir qui il est. Parce que quand je me regarde comme ça, je connais sa faciès, je connais sa force, il s'appelle telle personne, mais la pensée qui est en lui, est-ce que je connais ça? Non! La preuve est qu'il y a des femmes qui tuent leur propre mari. Il peut penser qu'il connaît sa femme, mais il ne la connaît pas. La preuve est que vous pouvez vivre ensemble avec quelqu'un, alors que lui, dans son cœur là, il va t'assassiner. Il y a quelqu'un qui a créé une société avec un de ses amis. Et c'est celui qui a mis le plus d'argent là. Qui a appelé l'autre pour venir l'aider. Mais quand l'affaire a commencé à prospérer, il a payé des gens pour aller tuer celui qui a mis le plus d'argent dedans. Ils sont arrivés à la maison, ils ont demandé où elle. Devant sa femme et ses enfants, ils l'ont abattu, froid. À cause de quoi? À cause du matériel. Et la fois dernière, Léon nous parlait d'une situation où un monsieur est mort, mais c'est un richiste. Mais après sa mort, ses enfants étaient encore mineurs. Donc, le tuteur, c'était son propre frère, qui était le tuteur des enfants. Mais il s'est arrangé avec le notaire pour que les choses soient. Oh, il y a un monsieur qui est ami du père, qui connaît bien. Mais la femme et les enfants vivaient dans la misère. Trois frères, même père, même mère. Celui qui a tout fait est mort. Les gens étant mineurs, on fait une réunion de famille, on cherche quelqu'un. Et lui, avec le santal, le notaire, pour détruire les choses à sa faveur. Jusqu'à ce que un jour, il y ait un drame. Or, dans ce que le père a fait, son premier fils, c'est-à-dire ce qu'il a fait, le premier fils de premier fils est toujours l'héritier.
il y a un drame et on cherche quelqu'un pour venir signer pour que l'assurance puisse s'occuper des gens qui sont blessés dans la société. On prend le papier, c'est le nom du jeune homme qui est en train de croupir dans la misère. Et on le cherche. Son nom ne peut pas signer. On le cherche, on le trouve. Il arrive. On dit s'il ne signe pas, les gens vont mourir. Parce que s'il ne signe pas, l'assurance ne va pas prendre soin d'eux et personne ne peut les soigner. Pas pitié. Il a signé pour qu'on soigne. C'est là qu'il a compris que il est riche, oui. Mais vit dans la pauvreté. Il est riche, mais vit dans la pauvreté. Et quand l'ami de son père s'en est rendu compte, lui-même l'a porté plainte contre le frère de son ami et contre le notaire. Désormais là, pour ne pas trop tirer fort, parce que même on a failli chercher à tuer le premier-né là, il a fui par le Burkina. Alors, on a décidé de donner à chaque enfant et à la veuve chaque mois 1 million de francs CFA pour leur nourriture. Pour l'instant, ils se contentent de vivre. Chacun 1 million de francs CFA pour vivre. Mais qu'est-ce que la maison, l'entreprise et les biens du père ne rapportent pas? Vous voyez combien de fois on est méchants? C'est pour ça que frère, nous ne devons pas nous attacher aux biens terrestres. Moi, j'ai écrit ça ici, hein, mais je le dis d'abord. Quand j'entends chanter « Là où est ton trésor, là sera ton cœur, tu peux te tromper de placement, ton avenir compte tout autant, prends donc le temps. » D'y songer une heure. Oui. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos voeux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour. Amen. Qu'on n'achète pas Dieu. Alors quand on chante ça, maintenant, quand je suis à l'église et puis je chante, puis voilà, les gens se lèvent, danser. Quand ils m'assoient souvent à l'église et puis les gens chantent et puis ils ne chantent pas là. Dans mon cœur là, ça me fait pitié. Il dit, est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'ils chantent? Est-ce qu'ils chantent ce qu'ils chantent? Est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire? Ceux qui n'ont pas connu l'argent là, qui n'ont pas encore vu de l'argent, ils pensent que ce qu'ils chantent là, c'est simple. Non. Moi, j'ai dit un jour, il m'est arrivé d'avoir eu besoin de 100 francs. C'est vite qui m'a donné 100 francs. Mais en ce temps-là, je venais de quitter un boulot dans lequel j'avais 1 500 000 francs de salaire. Ma fille me regarde. Je venais de quitter un boulot. Pas qu'on m'a licencié. Moi, mais j'ai dit, j'ai quitté. Moi, on m'a jamais chassé, on m'a jamais licencié. Moi, mais j'ai quitté. Volontairement. J'avais 1 500 000 francs net de salaire par mois. Puis j'ai quitté. Mais il est arrivé un jour, pendant cette période-là, d'avoir eu besoin de 100 francs. C'est ma fille qui se lève là, qui m'a donné 100 francs. Alors, quand les gens chantent, je les regarde, et je dis, quand tu n'as pas connu, ce que c'est que là-haut, et puis le trou, tu peux chanter. Mais quand tu as connu ce qui est haut, et ce qui est bas, ce qui est haut, et ce qui est bas, tu sais d'où tu es quitté, tu peux dire seulement, Seigneur, c'est ta grâce qui suffit. Amen. C'est ta grâce qui suffit. Alors, Jacques nous dit de faire attention. Il y a beaucoup de choses qu'on donne, mais on va se poser des questions, peut-être simplement pour la prochaine fois. Laissez-moi revenir dans mon petit passage de Jacques là. C'est quelque chose d'important. Ne vous bornez pas. Ça ne soit pas stupide.
On se borne à faire une chose. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas. Ne vous prenez pas à écouter. Ne vous contentez pas d'écouter seulement. Ne nous contentons pas de lire les messages, d'écouter les messages. Parce que j'ai l'impression que on est heureux seulement d'écouter. On est souvent heureux d'écouter. Hein. Mais on oublie que, il a dit, heureux celui qui écoute et qui garde. C'est cette partie-là qui manque. Le second mot-là, ça nous manque. Heureux celui qui écoute et celui qui garde. Mais garder, là, ça, on oublie. On est heureux seulement d'écouter. On est heureux d'écouter. On est heureux d'écouter frère, on écoute frère maintenant. On est heureux. Mais est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on garde ce qui est dit? On est heureux. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il n'y a même plus de ministère dans le message. Non. Il n'y a plus de ministère dans le message. Et quand il n'y a plus de ministère dans le message, il ne peut pas avoir d'enlèvement. Et s'il y a l'enlèvement, je me demande même s'il y en a qui vont partir. Parce qu'il faut les cinq ministères de la parole pour... Ce qui est écrit dans la Bible doit s'accomplir à la lettre. Le ministère de ceux de France ne peut pas nous amener à la perfection. De même que le ministère de ceux de Branham ne peut pas nous amener à la perfection. Ça veut dire que Dieu a donné le message qu'il faut pour qu'il y ait des hommes à qui Dieu donne. Regardez bien, tout à l'heure je lisais une lettre circulaire. Et j'aimais bien lire la lettre circulaire de septembre 2009. Il y a beaucoup de choses que Franck a dit dedans. Et j'ai découvert que quand je parlais du modèle, j'ai même oublié ça. Si j'avais pas oublié, j'allais lire ça. Quand on parlait du modèle, on a parlé du modèle de Moïse. C'est pas vrai? On a parlé du modèle de qui encore? De qui encore? Allons-y. Là, je vous écoute. On a parlé d'Élie. On a parlé du modèle d'Élie. Qui avait rétabli le terre. On a parlé de qui encore? De David. On a parlé de qui encore? De Salomon. On a parlé de qui encore? Du temps des apôtres. N'est-ce pas? Et de nous-mêmes. Nous, là, quel modèle que nous avons. Et la fois dernière, quand on lisait le soir, Frère Branham dit, on ne contraint pas les membres de nos églises à faire ça, à ne pas boire, à ne pas mentir, à ne pas fumer, à ne pas... On leur prescrit le modèle biblique. C'est ça. Amen. Si on t'a prescrit le modèle biblique, et que tu veux vivre sur le modèle biblique, tu auras la prospérité biblique. Amen. Mais si tu as le modèle biblique et que tu ne veux pas marcher sur le modèle biblique, mais tu ne peux pas avoir la bénédiction qui est liée au modèle biblique. C'est pour ça que l'apôtre Jacques nous dit ici, ne vous contentez pas d'écouter. En vous trompant vous-même, par de faux raisonnements, parce qu'aujourd'hui là, celui qui a cru, il ne raisonne pas. Celui qui a cru croit, il reçoit et il va avec. Ceux qui raisonnent là, ils réfléchissent, ils calculent, ils se disent, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela? C'est ce que Frère appelle l'interprétation. Il veut donner sens. On n'a pas besoin de donner sens à la parole de Dieu. La parole de Dieu est tout. Elle s'explique par elle-même. Moi, je dis à quelqu'un, tu dis une chose, donne-moi les versets bibliques. Je vais les lire et prier Dieu pour que les versets bibliques me parlent. C'est tout. Si ce n'est pas le cas, ça pose un problème. On en parlera, il y a beaucoup de choses dont on peut parler. Mais je regarde, je ris un peu, je dis, on parlera de ce qui nous concerne pour que nous puissions plaire au Seigneur. Hein? Comment plaire au Seigneur? C'est ça mon souci. Comment plaire au Seigneur? Ne vous bornez pas vous-même à vous tromper par des faux raisonnements. On se trompe. Nous ne trompons pas nous-mêmes. Hein. Il y a une soeur qui est partie parler à son frère, disant que nous sommes ici, nous sommes des perdus. C'est ça. Son frère, il ne sait pas si les deux vont encore communier, mais son frère lui a parlé. Il dit, mais pourquoi tu vas à l'église à courir? Tu ne sais pas que Badi et Yapi, là, ils ont coupé un frère Franck et que désormais, là, ils sont perdus. Il a répondu à sa sœur tranquillement, simplement. Et puis sa sœur est partie.
Et lui continue de faire son culte et aller là où il est conduit à aller. Aujourd'hui, ce n'est pas le lieu. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le lieu de se laisser conduire par les hommes. Ce n'est pas le lieu de se laisser conduire par quelqu'un. C'est le lieu de se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est pour cela que, frères et sœurs, pliez vos genoux jusqu'à ce que vous ayez la certitude, la pleine certitude, que ce que vous faites là, Dieu est dedans. Quand c'est le cas là, les gens vont venir, quand ils viennent là, vous allez vous rire d'eux. Vous allez dire, tu viens, mais tu viens en retard. Dieu est passé avant. Comme Dieu est passé avant là, vous voyez comment Élie s'est moqué un peu des prophètes de Baal et d'Asarté. Il a donné toute une journée. Il n'a pris que quelques heures. Il a donné toute une journée, depuis le matin. Ils ont chanté, dansé, crié, sauté, fait des scarifications. Peut-être qu'ils ont même bu un peu de sang, tout ça. Excusez-moi d'ajouter ça ainsi. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui boit le sang, certainement. Il a dit, mais c'est un Dieu, peut-être qu'il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il est fatigué, il a travaillé, qu'il dort. Criez fort. Quand le temps, frère, les enfants de Dieu savent distinguer le temps, discerner le temps où Dieu agit. Le temps que Dieu lui-même, là, il a fixé, là, ils doivent savoir le discerner. Élie a attendu, il sait à quelle heure Dieu répond aux prières de ses enfants. Quand il faut offrir le sacrifice, là, Élie connaissait le temps. Il dit, c'est pas le matin. C'est pas l'heure à donner le matin. C'est pas à midi, c'est pas l'heure à donner. Mais quand l'heure est arrivée, entre les deux soirs, vers entre 15h30, 16h, cette période-là, où on doit faire l'offrande du soir, là, quand le temps de l'offrande du soir est arrivé, là, il dit, arrêtez. Vous avez fini pour vous. Maintenant, c'est pour moi. Élie connaissait le temps où il faut offrir le sacrifice pour que Dieu réponde. Il dit, attends. Attendez, vous souvenez bien que d'Aaron et de Moïse, quand on fait le sacrifice, le feu descend du ciel pour consommer, non? Élie sait ça, que ce n'est pas quelqu'un qui met le feu pour que le sacrifice soit consommé, c'est Dieu même qui descend par le feu pour consommer le sacrifice. Vous souvenez, quand le papa de Samson et sa maman, comment il s'appelle? Je vais vous poser la question. Quand Manoac a dit, permets-nous d'offrir un sacrifice, il dit, même quand tu m'offres un sacrifice, je ne mangerai pas. Mais fais-le. Il a mis ça sur eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bâton. Qu'elle a touché là. Ça... Et puis il est monté dans la fille, il est parti. Ça... Il a dit, on a vu Dieu. On va mourir. Il dit, non. Si on devait mourir là, il n'y a pas de instructions. Obéissons à ce qu'il a dit. C'est la femme qui dit à l'homme, frère, vous qui n'êtes pas encore marié, vous qui voulez vous marier, faites attention, frère, ayez des femmes converties. Ce n'est pas le mari qui convertit. Ce n'est pas le mari qui équilibre. Soyez convertis d'abord. Amen. Voilà un homme qui donne la femme qu'un Dieu. C'est elle qui donne un conseil à son mari. Non. Mais pourquoi Dieu ne s'est pas révélé d'abord à l'homme, face à la femme? Parce qu'il sait. Il connaît le cœur de la femme. Il sait que cette femme peut aider son mari. Il sait que cette femme-là, elle peut aider son mari. C'est pour ça qu'il a été la première à être visité. Et c'est lui qui a fait un témoignage à son mari. Et ils l'ont prié pour que... Il dit, mais si c'est vrai... Il faut venir pour que moi aussi te voie. C'est beau, hein? Et ils étaient dans le champ. À qui il est venu apparaître? Salom? Non. Il est venu toujours à la femme. C'est la femme qui est venue chez son mari. Il dit, l'homme est là. Celui qui est, il est venu. Il est là. Viens. C'est toi qui avais parlé à cette femme-là? Il dit oui. Et il a rappelé. Maintenant, bon, nous, on veut t'offrir un sacrifice. Les hommes aiment faire des sacrifices. Hein? Oui. On n'aime pas ce qu'on a, ce que Dieu nous dit. On aime tellement adorer tout.
Il faut faire ça. Même quand tu vas offrir un sacrifice, je ne vais pas manger ce que tu vas donner là. Mais fais-le. Il lui a montré qu'il est Dieu. Et que ce qu'il a dit va s'accomplir. Oui. Amen. Amen. Et ce qu'il a dit s'est accompli. C'est pas vrai? Quand Dieu dit ce qu'il veut, il va l'accomplir. Et quand Dieu nous dit ce qu'il veut que nous fassions, faisons-le. Marchons avec ça. Ne nous détournons pas. C'est pour ça que Jacques dit, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Ici, il y a... regardez bien ici. Hein. Jacques a parlé d'une chose. Il a parlé d'une chose spirituelle, d'une chose naturelle. La parole de Dieu est spirituelle. N'est-ce pas vrai? Mais celui qui regarde dans le miroir, il regarde dans quel miroir? Il est dans la parole de Dieu et il a vu son visage naturel. Il n'a pas vu le visage spirituel qu'il a, qui est vilain là. Sur la base duquel il doit se corriger là. Il n'a pas vu ça. C'est le visage naturel à vie. Puis il est parti. La parole de Dieu n'a pas révélé qui il est. Nous sommes nombreux comme ça à qui la parole de Dieu ne révèle pas ce que nous sommes. Je relis. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu, la parole, et ne la met pas en pratique, il est semblable. Il est comme, il ressemble à quelqu'un, à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Voilà la comparaison qui est faite. C'est comme mon frère, le matin il se lève, il se lave, et puis il regarde son visage. Sa barbe, en 2 ans peut-être, il s'est mal même coiffé. Il n'a pas cherché, il ne va pas ranger. Il y a un peu de tâche ici, un peu de tâche là. Ça passe ça, et puis ça va. L'homme qui regarde la parole de Dieu, qui ne met pas en pratique là, voilà qui il est. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si toi tu regardes la parole de Dieu et que tu ne vois pas ton visage spirituel dans la parole de Dieu là, parce que quand tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est pour changer qui tu es. C'est pas que tu as vu que ce que tu es là n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Que tu veux mettre la parole de Dieu en pratique pour être en conformité avec la parole de Dieu. Et le souverain dit, et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, c'est la parole de Dieu. Et c'est autre chose. C'est pas la même parole là. La parole parfaite là. Cette fois-ci, il n'a pas regardé. Hein. Il n'a pas écouté. Il a plongé ses regards. C'est-à-dire qu'il a examiné. Il a scruté. Il a sondé. Il a médité. Bienheureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme quoi? Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dont le fer ne se flétrit point. Le fer ne se flétrit point. L'homme là, il va faire chaud, il va faire quoi? Son fer est toujours vert. Son fer est toujours vert. Quand on le voit là, il produit tous les fruits. Alors que les autres ne produisent plus de fruits, lui il produit des fruits. Et qui sait, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais qui se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il va se mettre à l'œuvre. C'est merveilleux. Il va commencer à travailler. Travailler à notre. L'apôtre Paul l'a dit, non? Il a dit la même chose. Il va se mettre à l'œuvre. Il va se mettre à soigner son image, spirituellement parlant. Il va chercher à corriger les éléments qui ne sont pas en ordre. Il va chercher à mettre tout ce qui ne plaît pas à Dieu de côté pour chercher à faire ce que Dieu veut. C'est ça qui va l'intéresser. Il ne va pas parler de regarder quelqu'un pour parler de quelqu'un. Pour chercher à plaire. Non, c'est plus le temps de chercher à plaire à quelqu'un, frère. On a trop cherché à plaire aux hommes. Arrêtons de plaire aux hommes. Plions nos genoux jusqu'à ce que nous sachions comment les autres ont marché.
Vous pensez Pierre et doit plaire aux hommes? Non. Paul a dit, si je dois plaire aux hommes, je serai serviteur de Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. Si je dois plaire aux hommes, est-ce que je serai encore serviteur de Dieu? Mais c'est la même chose aujourd'hui. Si nous devons plaire aux hommes, est-ce que nous serons encore des servantes et des serviteurs de Dieu? Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Le Seigneur l'a dit. Il dit, sortez, retirez-vous, sortez. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Il n'a pas dit, va faire ce que l'homme dit, ne touchez pas ce qui est impur. Frère, c'est le temps d'avoir le discernement pour savoir qu'est-ce qui est. Quand on parle de l'impureté là, je lisais, oui, je pense qu'on va en parler. Quand on. Peut-être le dit, on va en parler. Quand il parlait de la grande prostituée, elle comptait des impuretés. Et Dieu ne veut pas que son peuple, ses enfants, touchent à ce qui est impur. Parce que tout ce qui est impur nous souille. Donc si ça paraît beau, nous ça paraît correct, ça nous souille. Il dit, ne touchez pas ce qui est impur, alors je vais vous accueillir. Amen. Vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un père, dit le Seigneur. Frère, maintenant, je vous ai dit que le sujet que je donne, c'est mettre la parole de Dieu en pratique ou écoutez-le. Mais qui a parlé pour qu'on le mette en pratique? C'est Dieu. Et à qui on a demandé d'écouter? C'est Jésus. La voix dit, écoutez-le. C'est celui, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Maintenant là, qui écoutons-nous? Vous tous êtes là. Aujourd'hui, qui vous écoutez? Identifiez celui que vous écoutez. Hein? Identifiez bien celui que vous écoutez. Il y a un seulement qui mérite d'être écouté. C'est le Sauveur, le Seigneur, le Maître. Amen. Le Sauveur, le Seigneur, le Maître. Lui seul. Mais d'être écouté. Mais pas par les hommes. Alors il faut bien identifier par qui Dieu parle. Pour que tu écoutes, alors tu auras la vie. Écoutez-le. Est-ce que nous l'écoutons? La question est de savoir, d'abord, est-ce que je sais qui me parle? Qui est-ce qui parle aujourd'hui? Et est-ce que j'écoute? Qui parle, on doit savoir qui parle. C'est la même chose qui a été dit à Jean-Baptiste. Il dit, c'est mon fils bien-aimé. C'est pas vrai. Mais pourquoi devons-nous l'écouter? Là, je ne vais pas répondre à la question aujourd'hui. Pourquoi devons-nous l'écouter? Le Père dit, écoutez-le. C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Pourquoi dois-tu l'écouter? Vous voyez comment les choses sont, je ne veux pas répondre à cette question. Mais regardez bien, avant que écoutez-le n'arrive, Pierre voulait déjà construire des religions. Oui, trois tentes, trois églises, trois assemblées, trois lieux de culte. Et puis, attends, écoutez bien, peut-être vous n'avez jamais fait attention. Eux sont trois, eux aussi sont trois. Ils vont se les partager. Pierre, Jacques et André. C'est pas comme ça? Jean et André. Pierre, Jacques, Jean et André. Son frère. C'est pas comme ça? Moïse, Élie et Jésus. Maintenant, lequel ils vont écouter? S'ils construisent trois tentes, il y a une tente pour Moïse, une tente pour Élie, une tente pour Jésus lui-même. Est-ce que Jésus a bien de Jésus une tente? Mais ils vont rester sous le soleil. Non, chacun va choisir une tente où il va l'habiter. Non, abandonnons, frère. Oublions la religion. La religion colle trop à nos peaux. Oublions la religion. C'est pour ça que le Seigneur a mis vite fait à ça. Il dit à Pierre, il faut oublier la religion. Oublie Moïse. Oublie Élie.
Celui qui est là maintenant, là, c'est lui qui était en eux. C'est lui qui était en eux. Parce qu'il est écrit que tous ces gens-là avaient l'Esprit de Christ en eux. Mais c'est pour attester que ce qu'a dit Moïse est vrai, que ce qu'ont dit les prophètes est vrai, que les deux sont là. Et c'est pour ça que c'est même là qu'on va retrouver dans Apocalypse chapitre 11, pour le peuple d'Israël, 144 000. C'est vrai. C'est vrai, non? Les deux témoins qui vont venir après, ils feront les mêmes choses que Moïse et comme Élie. Ils feront les mêmes choses. Pendant 3 heures et demie, il n'y aura plus de pluie. Mais les miracles que Moïse a fait, c'est ça, la même chose. C'était que dans après, chapitre 11, on en ira après. Mais aujourd'hui, on se pose la question. Pourquoi devons-nous l'écouter? Déjà, on a posé la question dans Jacques, on l'a vu dans Matthieu 17. Pourquoi devons-nous l'écouter, frère? Pourquoi devons-nous écouter Jésus? C'est le Fils bien-aimé. Je ne réponds pas à cette question aujourd'hui. Et je vais vous laisser à vous aussi de prier, de demander, mais pourquoi le Seigneur veut qu'on l'écoute? Pourquoi? Hein? L'as-tu dit? Ah d'accord. Parce que c'est son fils. En lui, il se trouve toute son affection. Non, oui. Mais pourquoi? Parce qu'en lui, il a toute son affection. Mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Tu vas comprendre après. C'est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il faut l'écouter? Mais est-ce qu'on ne devrait pas écouter Moïse? On ne devrait pas écouter Élie? Mais pourquoi c'est lui? Il peut dire, Dieu peut dire, vous avez vu Élie? Vous avez vu Moïse? Et lui, mais écoutez-les. Écoutez-les. Il m'a dit écoutez-les, mais écoutez-le. Celui-là, il était fidèle en toutes choses sur ma maison. Moïse était fidèle. Élie a été fidèle aussi. C'est vrai. Mais lui, il est moi. Lui là, c'est moi. Les autres, c'est moi qui les ai envoyés. Mm-hmm. Mais lui, c'est moi. Amen. Tu m'obliges à commencer à répondre. Tu m'obliges à commencer à répondre. Je donne un début de réponse. Mais c'est pas tout. Mais lui, c'est moi. C'est ça que Moïse a dit. Il va vous susciter un prophète comme moi. Si vous ne l'écoutez pas, vous allez être retranché. Celui qui l'a dit là, c'est lui qui est là. Celui dont je vous ai parlé là, c'est lui qui est là. Pierre, André, Jean, celui dont Moïse a parlé là. Pierre, c'est Pierre qui va rendre le témoin après. Hein? Dans acte 3 là, c'est Pierre qui va rendre le témoin, non? C'est pas Pierre qui va rendre le témoin, hein? Dans acte 3 là, 22 là, c'est Pierre qui parlait. Il dit, Dieu va vous susciter un prophète comme moi. Et vous l'écoutez dans tout ce que vous dites. Celui qui ne l'écouterait pas là, il sera exterminé du milieu du peuple. Donc là, en tant que prophète là, Moïse se compare à lui. Il va vous susciter un prophète comme moi. C'est une comparaison. Mais si vous ne l'écoutez pas, vous serez exterminé. Moi, je n'ai pas écouté, vous n'avez pas. Ceux qui n'ont pas écouté Moïse là, beaucoup sont morts, non? Je peux même dire tous ceux qui n'ont pas écouté Moïse sont morts dans le désert. Tous. Et autant d'Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui étaient faux étaient égorgés. Les trompeurs là,
Vous avez été égorgé. Plus tard, quand Jésus est venu, Jésus aussi l'a fait passer au fil de l'épée. Mais pourquoi? Je reprends un peu, parce que c'est moi. Lui-là, c'est moi. C'est ça aujourd'hui. Oui, les gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'au commencement, on a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. J'ai fait ça pour le citer auparavant. Mais on va répondre. Pourquoi on doit l'écouter? Pour toi là, pourquoi tu dois l'écouter? Pour moi aujourd'hui, pourquoi je dois l'écouter? Pourquoi je ne dois pas écouter autre chose que lui? C'est lui qu'on doit écouter. C'est pour ça que frère, beaucoup aujourd'hui ne savent pas que la consécration, c'est par rapport à Dieu qu'on doit se consacrer. Il faut te consacrer par rapport à Dieu. Consacrer notre vie là pour Dieu. On doit se consacrer à Dieu. Frère, le groupe ne sert à rien. Un groupe là, ça ne sert à rien. Et la fois dont on a lu, l'église, ce n'est pas un rassemblement d'un groupe de personnes. Ce n'est pas un rassemblement d'un groupe de gens. Ce n'est pas un rassemblement d'un groupe de gens. On est ici là, là. Ici là. Il peut y avoir l'église dedans. Dans ce groupe, il peut y avoir l'église dedans. Mais tout le monde n'est pas église. C'est pour ça que quand les gens sortaient de l'Égypte, la Bible dit, il a bien fait la distinction. Il y avait 600 hommes de pied. Mais il y avait 600 000 hommes de pied. Mais il y avait combien de personnes? Une multitude de gens de toutes espèces. Les mots de la Bible sont... Souvent quand tu prends ça, on dit, c'est choquant. Aujourd'hui, tu dis... quand on lit comme ça, là, ça paraît choquant. Mais quand le Seigneur parle là, il dit, et allez dire à ce renard là, si aujourd'hui quelqu'un dit qu'il va dire à ce chien là, il va dire, il n'a pas de il n'a pas d'amour. Il n'a pas d'amour. Hein? Le Seigneur qui dit. Ah, et si moi j'ai le Saint-Esprit à moi, qui parlerait alors? C'est ça. Si j'ai l'Esprit de Dieu à moi, qui parlerait? C'est moi qui parlerais. Ah, c'est ça que souvent on oublie. Race de vipère. Je te l'ai dit. Jean-Baptiste, dit race de vipère. Qui vous a fait à fuir la colère à venir? C'est Jésus qui l'a dit aussi. Ça, c'est Jésus aussi l'a dit plus tard. Mais Jean l'a dit, race de vipère. Il connaissait le Père. Aujourd'hui, tu dis ça là. On va dire, il est irrespectueux. Il manque d'amour. Il insulte des gens. L'apôtre Paul dit, il y a des chiens. Ah. Il y a des chiens. Parmi les ouvriers, il y a des chiens. Quand on lit comme ça, là, ça a l'air simple. Mais l'apôtre Paul n'insultait pas quelqu'un. Il connaît la nature. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui parlait, c'est l'Esprit de Dieu dans Paul qui parlait, qui désirait qui ils étaient. Frère, que Dieu nous bénisse. Je pense qu'on a déjà fait... bientôt 2 heures de temps, dans 2 minutes, après quelques 20 minutes de chant, pour attendre les Baka. Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, nous ne nous bornons pas à écouter la parole de Dieu. Et nous ne nous trompons pas nous-mêmes. Plongeons nos regards dans la loi parfaite. Et mettons-nous à l'ouvrage. Mettons-nous au travail. Bien-aimés frères, c'est le temps où nous devons nous mettre au travail pour nous-mêmes et pour nos maisons. Homme, mets-toi au travail pour ta maison, ta femme et tes enfants. Femme, mets-toi au travail pour ton mari et pour les enfants. Enfant, si tu es arrivé à l'âge, mets-toi au travail pour ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Parce que votre maison doit être vide ce jour-là. Amen. Personne ne doit rester là. La maison doit être vide. Pour que ceux qui cherchent la maison viennent prendre ça. Il y a des gens qui cherchent la maison. Hein. Dès qu'ils savent que la maison est vide, ils vont venir. On dit, mais ceux-là,
Mais on n'entend plus, on n'entend plus. On va casser la porte, on arrive à personne. Et puis tout est là. Les assiettes, les verres, les cuillères, les habits. Tout. Ah, tout est là. Ah. Bon, peut-être qu'ils ont voyagé. On va attendre un peu. Un jour, deux. Et puis après, ah, c'était les gens qui chantaient beaucoup là. Ils parlaient des Jésus. C'est pas eux. On dit les gens de Jésus, ils sont partis. Oh. Les gens de Jésus, ils sont partis. Bon. Ils nous ont laissé tout ça là, mon cher. Le malade des uns fait le bonheur des autres. Pour eux, parce que c'est notre malheur. Non, c'est notre bonheur va faire leur malheur. Notre bonheur va faire leur malheur. Parce qu'ils vont, penser qu'ils vont venir prendre ça, ils vont être heureux. Ils ne savent pas ce qu'ils attendent. La Bible dit, le diable est descendu sur la terre dans une grande colère. Parce qu'on n'a pas pu prendre la main sur nous. Qu'on n'a pas pu nous attraper pour nous écraser. Quand il voulait le faire de Pierre, Jésus a dit à Pierre, tu sais, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai pris pour toi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qu'il garde chacun de nous. Mais n'oublions pas la question. Pourquoi devons-nous l'écouter? J'ai répondu en partie. Parce que c'est lui. Celui qu'on doit écouter là, c'est lui-même. Au commencement était la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Celui qui a été fait chair là, c'est celui qui était sur la montagne de transfiguration. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qu'il nous garde. J'aimerais tout faire chanter un cantique. Et puis, on va laisser. Je lève les yeux. Thank you.
L'avait demandé d'entrer de jeu et tu n'as pas manqué de te révéler à nous, tu n'as pas manqué de nous parler pour que désormais nous sachions avec qui nous marchons, comment nous devons marcher et qui devons écouter. Seigneur, fasse en sorte que désormais chacun de nous s'engage personnellement à œuvrer, à travailler pour son salut. Amen. Nous avons tous plongé nos regards dans cette loi parfaite. Tous les jours, nous le faisons. Mais maintenant, nous voulons que les choses changent. Amen. Que quand nous avons plongé nos regards en sortant de là, oh, que nous aussi, nos cœurs, notre esprit, notre âme, tout en nous change. Amen. Tout devient tout nouveau. Et que nous revêtons Christ et Christ seul. Pour que désormais nous ne marchions pas avec les hommes, mais que nous marchions avec notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître. Pour l'écouter. Pour l'écouter lui et lui seul. Parce que l'écouter donne la vie. Merci. Gloire et honneur à toi. Louange et exaltation. Certainement, les frères vont encore se déplacer pour que nous puissions nous retrouver cet après-midi. Nous voulons tout reprendre en tes mains. Souviens-toi de nos frères et sœurs pour qui nous avons prié. Que tu leur accordes la guérison. Amen. Que tu leur accordes la délivrance complète au total. Ô notre Dieu. Et que tu permettes également, si au milieu de nous il y a des malades, qu'ils reçoivent aussi la guérison. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen.